Non, mais le fait, la première chose qui nous est arrivée, c'est que moi, déjà sur le terrain, j'avais senti le gaz lacrymo que le CRS. Parce que nous, on ne s'était pas focalisé du tout sur ce qui se passait en tribune, on était plutôt concentré sur le match. Et d'un coup, on a commencé à avoir le nez qui pique, les yeux qui pleurent, parce que ça commençait à monter. Et on a vu l'arbitre, on lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? On commence à avoir un peu du mal à respirer parce que le gaz lacrymo était descendu sur le terrain. Et là, on a levé la tête, on a vu la tribune supporter Feyenoord commencer à déborder sur la tribune. Sur la tribune à côté, et on a commencé à avoir des mouvements de panique des supporters de chez nous. Ça a été un peu marquant parce que, avec le recul, on avait appris qu'ils avaient fait quand même pas mal de débordements, puisqu'on n'était pas au courant de ce qui se passait au centre-ville, qu'il y avait déjà eu pas mal de débordements et qui ont enchaîné sur le stade. Le match est interrompu ou pas? Le match a été interrompu, on est rentré au vestiaire justement le temps que la police remette tout en ordre et que canalise. Tout ça, et on a repris, je crois, ça devait être 5-10 minutes après, je pense. On se dit quoi? Parce que le stade Pico est ainsi fait que c'est difficile d'accéder à la pelouse en venant des tribunes, mais il y aurait pu avoir l'irréparable dans Bah, les la tribunes. première crainte quand on a eu, nous, c'était plutôt pour les supporters, parce que voilà, nous, on a le fossé qui nous sépare. Bon, après, on a la sécurité qui est autour, mais c'était la première crainte, c'était plutôt pour les supporters, parce que voilà, bon, certes, il y avait déjà. 3-0. Les supporters charriaient un peu, chambraient un peu, mais bon, c'est quand même un moment de fête. Et pas à ce que ça se termine en drame, ça aurait pu même se finir en drame par la suite. Parce que voilà, c'est pas énorme. C'est des hooligans quand même assez réputés dans l'Europe. Et non, nous, voilà, la première question, c'était ouais, plutôt nos supporters d'assurer leur sécurité. Parce que nous, naturellement, on a quelques mètres à faire, on est déjà dans notre vestiaire, en sécurité avec ce qu'il fallait.